mode. Ça a l'air fou ça. Hein. Il aura un bon goûter. Donc ça, c'est vrai que c'est juste un goûter. C'est vrai que ce soir, ils vont avoir dans leur bâtiment à manger. Donc ils auront tous à manger. Essayez de vous étaler comme ça. Ça va le permettre d'aller un peu dans le sur l'autre. Pas trop, voilà. Hop là, sur l'échelle. Voilà. Alors la particularité au niveau reproduction des Makikata, vous avez en fait le groupe est seulement dirigé par la femelle. Il est bien là-haut. Ouais, ça fait haut, ça fait loin. Là. Et après, on va essayer de ne pas bouger. Donc vous voyez, il y a des bonnes amplitudes de saut. Hein. C'est vrai que ça va de branche en branche. Donc en fait, c'est les femelles qui dirigent le groupe. Les mâles, ils sont là juste pour la reproduction. Ils n'ont pas leur mot à dire. À la salade, hein. À la salade, c'est pas son délire. C'est pas trop son truc. Sinon, tu frappes la main comme ça. Allez, tu vas voir Pascal. Regarde, là, il a mangé des pommes, là. Oh. Ah, toute la salade, là, il a mangé. Regarde, là, chouchou. Non. Non. Loulou. Oh, mais c'est une époque. Allez, ça. C'est tout seul, là. Allez. Et donc en fait la particularité c'est que les femelles vont au fur l'une après l'autre être en chaleur. Donc par exemple la femelle dominante va être en chaleur pendant 4 à 6 heures et ensuite ça en est une autre qui va reprendre 4 à 6 heures et ainsi de suite. Elles vont prendre le relais pour éviter la compétition pour les mâles. Alors, on va enlever la salade. Hein. C'est qu'on va mettre les pommes. On va voir si elle va choisir Ariel ou non, elle est là. Non, je préfère les blondes ou les brunes. Ah, alors, la brune. Donc, vous avez vu, il a des doigts, un peu comme vous, il a des griffes. Et à un moment donné, il a juste une griffe pour pouvoir faire sa toilette et se gratter. Il a senti fumer, on fait de ça là. Il approche ta main. Et il n'y a pas d'autre tout doux là. Il aurait bien mangé toi. Quelle heure. Regarde le soleil. Oh, c'est mignon. Allez, tiens, reste un petit peu sur. Allez, Manu, viens voir rien. Il n'y a pas d'autre chose à voir. Peut-être qu'on me l'attrape. Allez, tiens, allez. Allez, un petit coup. Regarde là-bas. Lilou et Gabriel. Allez. Donc c'est une espèce endémique du Pacifique. C'est pas trop dur. Donc vous les trouverez uniquement à Madagascar. C'est vrai que des fois vous pouvez les trouver dans les îles qui sont juste à côté. Ça va, oh, voilà, oui. Là il est en charge de TNB. Allez, il est encore un petit peu là. Qui c'est qui a pas trop vu là? Allez, on a fait la regarde. La belle brune. Allez, viens, ah bah oui. Il va tirer la patte, il va tirer la main. Approche. Il nous fait son peignant. Il laisse la salade. La déforestation est due à la disparition de nos lémuriens. C'est toujours la même chose. Hein. L'homme veut s'étendre un peu partout. Et donc il va enlever. Excellent. Vous avez vu, ça a des bonnes petites canines. Hein Et ben, t'auras bien fait goûter, toi. Hein. Ah, bah là, oui, là, il a mangé tout ça. Mon Dieu. Allez, tiens. Il a bien mangé. Ah ouais, c'est tout. Il est arrivé.
Le flocon, il est passé en boule. Oui, c'est ça. Ouais. Est-ce que tu veux quand même ça? Non, c'est pas bon ça. On va essayer la salade. Ah, tu le manges quand même? Pourquoi tu l'as fait? Tu sais, t'as donné un peu à manger. Il faut bien manger. Ah oui, un petit peu de salade, ça fait du bien. Pour digérer. Ouais, ça fait du bien. Bonne conscience. Position qu'il a. Et là, il prend le soleil. Là, il prend le soleil. On voit bien les glandes. Hein. Elle est confortable. Ça va, là, il est bien. Ouais, photo. Je t'en fais blanc si tu veux. Je te mettrai une adresse mail. Ah, voilà, c'est beau. Est-ce que vous allez déposer en fait? Voilà. Ah non, j'ai pas vu, non, mais quand je suis arrivé.